Béatrice Millettre, votre talon d'Achille? Ah, mon talon d'Achille, c'est paradoxalement, c'est peut-être pas comme ça qu'on le perçoit spontanément. Mon talon d'Achille, c'est mon enthousiasme. Ah oui, C'est-à-dire que quand effectivement. je... Oui, voilà, on pourrait se dire, mais c'est pas du tout un talon d'Achille, mais en fait, je vous assure que c'est très, très compliqué au quotidien, l'enthousiasme. Parce que quand vous percevez chez les autres tout le potentiel qu'ils ont, vous voyez un peu à l'intérieur, enfin, bon, j'ai pas mal d'intuition et je perçois les choses aussi. Et quand vous percevez tout le potentiel que peut avoir votre interlocuteur, quel qu'il soit à titre personnel ou professionnel ou peu importe, vous avez envie de l'emmener, vous avez envie de le tirer vers le haut. Et moi, je suis à fond dans ce que je fais, vous l'avez un peu compris, je pense aussi. Et pour le coup, c'est difficile pour moi de, quand je vois tout ce qu'il y a là en face, moi, je fonce direct. Et des fois, j'arrive pas à emmener les gens avec moi. Donc, je suis obligée de faire machine à... Et voilà, je ne peux pas toujours emmener les gens. Encore une fois, à titre privé ou professionnel, peu importe. Mais, et vous êtes obligée de ronger, entre guillemets, votre frein en disant, non, 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 je vais trop vite, je vais trop vite. Moi, j'ai vu. Puis en plus, c'est mon expertise. Voilà, c'est qui je suis. Donc, j'ai vu, j'ai vu. Mais eux, il faut que je leur laisse le temps aussi de voir ce que moi, j'ai vu éventuellement. Et ça, c'est compliqué. Voilà, ça, c'est mon talon d'Achille, de vouloir emmener les gens avec moi, alors que peut-être ils sont pas encore tout à fait prêts ou que... Ou voilà. Donc, c'est parfois un peu compliqué pour moi, ça.